السلام عليكم الزلفلاون، بونجور. Chez nous, on adore utiliser les mots qui se rengorgent, qui enflent du goitre. On adore les formules alambiquées, qui sont censées avoir un sens, mais qui n'en ont pas chez nous. Chez nous aussi, on dit rentrée sociale, comme si nous avions un pays normal, un État normal, des institutions normales. En fait, de rentrée sociale, il n'y en aura pas de véritable. Les flibustiers qui tiennent le gouvernail naviguent à vue. Ils ne savent même pas où ils vont échouer, parce qu'il ne fait plus de doute que le naufrage est inéluctable, puisque le pays n'est renfloué que grâce à la rente des hydrocarbures, et juste la rente des hydrocarbures. Donc, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour savoir où on va. Ils usent de mots politiques aussi vides de sens que sont leurs fausses institutions, leurs faux présidents et jusqu'aux fausses barbes de leurs islamistes de service. Il n'y a rien de vrai, rien de prévisible dans la combuse. Ce qui est sûr, par contre, est que les horizons sont lourds de menaces, que les nuages sont lourds et bas, que l'embellie et la récréation seront bientôt finies. L'opposition, si tant est que nous pouvons appeler ainsi des gens qui tentent, tant bien que mal, d'alerter sur la catastrophe qui s'annonce, cette opposition-là se cherche et ne se trouve pas, de la même manière qu'elle ne trouve pas le chemin qui mène au cœur des Algériens. Tous, ou presque déconnectés, qui ne se soucient même plus du sort qui sera réservé à leurs propres enfants. Rabbi Yassar, comme on dit. Aujourd'hui, le soir d'Algérie. Le soir d'Algérie, conférence de Mouloud Hamroche à Annaba, la sortie de crise doit être négociée. Ensuite, liberté. À quelques jours de la rentrée politique, pouvoir opposition, les défis des uns et les exigences des autres. Le site de l'UDMA, une chronique, une rentrée sociale de tous les dangers par Brahim Younsi. Et justement, Brahim Younsi qui est notre invité aujourd'hui, avec normalement Abdelrazak Makkari, président du MSP, si nous parvenons à le joindre. Brahim Younsi est avec nous, président de l'UDM. C'est Brahim, merci encore une fois de nous avoir rejoints. Et moi, je vous remercie encore une fois de m'avoir invité, de me donner ainsi la possibilité de m'exprimer. C'est le moins qu'on puisse faire, c'est Brahim. Merci beaucoup. Dites-moi, alors cette rentrée que vous nous annoncez est très périlleuse, qu'est-ce que vous en pensez ? Absolument. Mais permettez-moi d'abord d'avoir une pensée pour ce footballeur africain tué dans un stade algérien. D'avoir aussi une pensée pour notre compatriote mort asphyxié dans un fourgon de la police française qui le transportait sur l'aéroport de Roissy en vue de son expulsion. Ce drame qui nous touche de façon directe, est au centre de ce que vous disiez, est au centre des préoccupations des Algériens, à savoir leur situation politique, leur situation sociale et leur situation sécuritaire. Pardon, c'est Ibrahim, de vous interrompre un court instant. Je précise que le footballeur dont vous faites part, dont vous déplorez le décès, est mort au stade à Tizi Ouzou, à coups de pierre, par des supporters, si on peut les appeler ainsi, et que notre compatriote qui est mort dans un fourgon de police est décédé des suites d'une attaque cardiaque, pour vous dire à quel point les gens
Nos compatriotes, quand ils savent qu'ils sont refoulés dans leur pays, normalement, ils devraient se réjouir. Ben, ils meurent, ils tombent malades, ils tombent de crise cardiaque et ils meurent plutôt que de retourner dans ce pays qu'ils ont fui. Je vous laisse poursuivre. Merci. C'est ce que je voulais dire et vous l'avez excellemment, excellemment dit. C'est les raisons Merci. sociales, politiques, sécuritaires, l'absence d'avenir, de perspective qui a envoyé toute une grande partie de notre jeunesse vers ces horizons qui les mettent dans des situations de clandestinité, de précarité. Et cela est inacceptable. Est inacceptable pour un pays qui dispose, que l'on veuille ou non, de quelques ressources qui lui permettaient et qui lui permettraient de développer l'Algérie. Or, cela n'est pas et loin de là fait. Et c'est la préoccupation qui est celle de tous ceux qui s'opposent ou qui tentent de s'opposer ou qui essayent de s'opposer tant bien que mal à ce système néfaste qui doit absolument disparaître pour donner naissance à une société qui va vers les libertés dans le cadre, je ne vais pas répéter les autres, mais dans le cadre de l'identité de ce pays, c'est-à-dire aller vers une démocratie qui soit une démocratie authentiquement algérienne. Bref, mais c'est vrai que, pour recentrer le débat, que ce qu'on appelle, et vous avez raison de dire qu'il n'y a jamais eu de rentrée sociale, que nous galvaudons effectivement tous les mots, hein, nous essayons de nous calquer sur ce qui est convenu d'appeler une rentrée sociale, après des vacances. Hein, alors que les Algériens, nous le savons, ne partent pas de vacances, ils sont souvent en congé. Oui, et les dirigeants aussi sont en vacances toute l'année, en fait. Absolument, absolument. Et certains d'entre eux, et le premier d'entre eux, s'expose sur les réseaux sociaux comme un gamin qui demande à faire une photo dans le bureau ovale du président des États-Unis. Exact, Voilà, exact. nous sommes vraiment tombés bien bas. Eh oui. Eh oui. C'est une vraie récréation, hein, une récréation de gamins qui s'amusent comme des fous. Absolument, Voilà. absolument, absolument ébahi de rencontrer le président des États-Unis. Eh oui. Hélas, hélas, nous en sommes aujourd'hui là avec un personnel politique qui n'a pas conscience, ou a-t-il conscience, mais s'en fout de ce qui peut se produire dans ce pays. Mais allons-y, appelons-la quand même rentrée sociale pour leur faire plaisir. Et alors, Absolument, mais cette rentrée sociale, justement. mais cette rentrée sociale. Cette rentrée sociale est menacée de mouvements de grève notamment, et de mouvements de grève du personnel public, de l'administration publique. Oui. Pour ne citer que quelques mouvements qui se préparent, et les menaces de grève qui s'annoncent. Mais encore, lesquels, par exemple? Par exemple, les fonctionnaires des collectivités locales. D'accord. Les fonctionnaires des collectivités locales, les communes, le personnel des communes menacent de faire grève dès le mois de septembre. Et bien sûr qu'ils demandent un certain nombre d'avantages sociaux, et notamment l'abrogation de ce qu'on appelle, pas grave, de l'article 27 bis du Code du travail. Qui bloque le salaire minimum. Les travailleurs de la sécurité sociale, Oui. qui eux également menacent de recourir à la grève. Les travailleurs de la santé, qui eux aussi ont annoncé des mouvements de grève. Les enseignants, notamment les enseignants du secondaire, des lycées, le conseil des lycées algériens. C'est-à-dire que le front social, ou ce qu'on appelle le front social, est en ébullition. Il est en ébullition et tout le monde attend, y compris les syndicats, et c'est une demande des syndicats autonomes en particulier, même si l'UGTA, pour les raisons que l'on peut comprendre, alors que l'UGTA est abandonnée par le peu d'adhérents qu'elle pouvait compter,
sur la revalorisation du salaire national minimum garanti. Et tout cela. Justement, Sibrahim, excusez-moi de vous interrompre. Au sujet de cette UGTA, justement, il faudrait qu'on en parle un peu parce que ce syndicat prestigieux, ce syndicat issu de la révolution algérienne et bien avant, issu de mouvements progressistes, qui a fait ses preuves, qui a été mené par le fameux Abderrahmane Aïssa Tidir, cette UGTA-là qui est devenue en fait des gardes-chiourmes des travailleurs, chargés de surveiller les travailleurs, et qui aujourd'hui est devenue un repère de gens qui se goinfrent dans les œuvres sociales, dont la seule mission vraisemblablement est de surveiller les gens et d'éviter justement qu'ils ne se mettent dans le front social pour contester éventuellement. Qu'est-ce que vous avez à dire sur cette UGTA, sur ce qu'elle est devenue, sur cette situation tellement, tellement lamentable de toutes les façons, cette UGTA, comme vous dites, a été caporalisée dès les premiers mois de l'indépendance de l'Algérie. C'est vrai. Souvenez-vous des injonctions du régime de Bembella qui a mis au pas l'UGTA, qui voulait prendre une indépendance, son indépendance par rapport au parti. Il y a eu des batailles sur ces questions de l'indépendance des syndicats en Algérie et de leur pluralité. Hélas, le syndicat comme le Front de Libération Nationale sont devenus les bras armés, idéologiques du système où rien ne bouge. Absolument. C'est moyen, effectivement. Et en 69, je rappelle. Organisations de masse, ou ce qu'on appelle les organisations de masse, des moyens de contrôle de la population. Mais en 69, je rappelle, lors de la création du fameux texte de la gestion sociale des entreprises, la GSE, où l'UGTA, là, elle a vraiment expiré. Mais il existait un temps soit peu ce souffle syndical qui était encore vivace à l'époque. Mais là, ce sont devenus des gens riches, des gens riches à milliards, qui tiennent cette UGTA et qui ne s'en cachent pas d'ailleurs. Et qui vivent au Club des Pins ou qui construisent des résidences somptueuses. On n'a jamais vu ça, on n'a jamais vu des syndicalistes de cette envergure. Je partage parfaitement votre opinion. C'est la raison pour laquelle le syndicat maison, le syndicat de pouvoir, du système, de l'État, qui est devenu l'UGTA, vous citiez Aïssa Tidir, il doit se retourner dans sa tombe. J'imagine, Ali Adnour, qui est aussi un des fondateurs de l'UGTA, qui a passé une bonne partie de sa vie dans le syndicalisme, pourrait en parler. Il en parle excellemment, de la perversion de l'Union Générale des Travailleurs Algériens, qui ne défend plus les travailleurs, qui ne défend plus le monde du travail, qui ne défend plus le monde du labeur. Et c'est un syndicat qui est là pour apporter un soutien politique, idéologique, et bien entendu pour empêcher, comme vous le disiez, que les travailleurs bougent, que les travailleurs revendiquent, que les travailleurs voilà, c'est ça qui est devenu le rôle de l'UGTA, notamment bon, déjà en 1964, mais notamment depuis que la gestion socialiste des entreprises était entrée en vigueur. Et nous savons le zèle que l'UGTA a fait pour faire en sorte que les travailleurs acceptent toutes les conditions de travail et sociales qui leur ont été faites à cette époque-là et qui continuent aujourd'hui. Et c'est d'autant plus difficile aujourd'hui que nous allons vers un système où le chômage ne cesse de grimper, ne cesse de grandir, ne cesse le chantage, le pouvoir fait le chantage aussi au licenciement. Oui. Ce qui, à l'époque, n'était pas, il faut le dire, n'était pas aussi fréquent. Je rappelle, avant de revenir au sujet de la rentrée sociale, que le patron, le boss Sidi Saïd de l'UGTA avait placé l'argent des travailleurs qui se chiffrait en milliards de dollars
dans la banque Khalifa en trafiquant un PV du conseil d'administration dont il était le président. Il a reconnu devant la juge, devant le magistrat, il a dit oui, j'ai trafiqué le PV du conseil d'administration, les gens n'étaient pas au courant, je l'ai signé seul. Et malgré ça, il n'a pas été inquiété du tout, ni lui, ni son ministre de tutelle de l'époque, enfin, le ministre du Travail et des Affaires sociales, M. Boujara Soltani. Mais je vous laisse poursuivre. J'aimerais que vous nous disiez ce que vous pensez, comment ça va se passer, cette rentrée sociale, entre guillemets. Je viens de dire En plus quelques des menaces, hein, en plus des menaces de conflits sociaux. Ça veut dire que, qu'est-ce qui va, il y a aussi le problème de la Libye qui se pose de plus en plus, avec de plus en plus d'acuité. Évidemment, le Ouais. pouvoir va jouer là-dessus. Oui. Je m'apprêtais à le dire. Oui. Le pouvoir va jouer là-dessus pour essayer d'amoindrir, voire de stopper les revendications et les manifestations qui vont surgir, notamment sur le plan du logement. Ça explose d'ailleurs, hein, Oui, oui. beaucoup de quartiers. Il y a quelques jours, c'est la cité d'Yarchems qui est sortie. Il y a eu des heurts, il y a eu des blessés et il y a eu des dégâts au cours de ces manifestations et de ces émeutes. Le logement est le dossier, sans doute, ou l'un des dossiers qui peut provoquer une explosion de cette rentrée. Parce que les questions de logement. Et bien sûr, celle du chômage. Hein. Ce dossier est de plus en plus important et les questions du chômage. Et je pense que, effectivement, les chômeurs seront en pointe au cours de cette rentrée dite sociale et le logement qui effectivement risque la question du logement qui risque de faire sortir des milliers de nos compatriotes dans la rue. Parce que l'État n'aura plus les moyens, vous le disiez tout à l'heure, l'État n'aura plus les moyens de construire des logements. Alors, Et oui, oui, je vous en prie, poursuivez. il n'aura plus les moyens de construire. Va arrêter, malgré le plan qu'il annonce pour 2015-2019, le logement va être un des parents pauvres. Et bien sûr, tout l'aspect, le secteur social va être le parent pauvre de ce plan, 2015-2019. Alors, Voilà. Et évidemment, le pouvoir va concernant. jouer sur l'environnement Oui. dangereux et la géopolitique maghrébine. En tout cas, il va jouer sur l'instabilité à nos frontières pour tenter de maîtriser toutes ces De contestations. détourner l'attention des gens. Mais au sujet de l'opposition, de l'initiative de la CLTD, de l'initiative de l'appel du FFS, des récentes déclarations de Hamroche, de ses appels. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous nous en dites? Sur la CLTD, nous avons déjà exprimé. Moi, je conteste sur la question de la CLTD, je conteste la méthode. Je D'accord. conteste la méthode. La méthode n'est pas inclusive. N'est pas inclusive. Je crois que l'opposition doit absolument se retrouver pour aller vers le consensus national. Et en cela, j'ai donné personnellement et au nom de l'union que je dirige, quittus au front des forces socialistes, dont je trouve l'initiative pour une fois, intéressante. Intéressante. Expliquez-la nous en quelques mots parce qu'il nous reste plus Non, parce beaucoup de que temps. d'abord, Oui. elle prévoit un processus. D'abord, elle appelle au consensus national. C'est ce que vient de faire, ce qu'a fait Mouloud Hamrouche hier, Oui. sur le consensus national, en parlant de l'ensemble des menaces, à la fois internes et externes. Parce que l'Algérie, qu'on le veuille ou non, et c'est vrai, quand on est responsable, on regarde ces menaces-là, et ces menaces sont réelles. Oui. Ces menaces sont réelles. Le pouvoir va en jouer, évidemment. Le Oui. pouvoir va en jouer. Mais elles sont réelles. Elles sont réelles. Mais Ibrahim, les gens qui appellent, ou les forces, ou les mouvements, ou les partis, qui appellent à négocier avec le pouvoir pour une transition éventuelle, vous pensez que ce pouvoir est disposé à envisager
son départ ou un quelconque changement? Non, c'est vrai, vous avez raison. Il ne l'envisage pas, il ne l'a jamais envisagé. S'il l'avait envisagé à un moment ou un autre, c'est au moment où l'opposition lui a présenté une vraie sortie de crise, à la fois au moment où l'effusion de sang était la plus forte possible, c'est-à-dire au milieu des années 90. L'opposition offre, et l'opposition réunie de façon globale, offre une sortie de crise, un consensus. Le pouvoir l'avait rejeté, hélas. Hélas, nous n'en serions pas là aujourd'hui, à la fois sur le plan du dehors et du dedans. Nous ne serions pas là. Nous n'en serions pas là. S'il avait accepté cette main tendue pour sortir de ce système, pour aller vers une société apaisée, vers une société réconciliée, etc., etc. C'est sûr que ce pouvoir est là et freine des quatre pattes. Mais l'opposition, il est de devoir de l'opposition de vouloir sortir, si j'ose dire, par le haut, c'est-à-dire par des moyens autres que la violence, et d'offrir une alternative à la fois. Et c'est là où je rejoins le FFS. Oh, je crois que nous parlons trop avec le pouvoir, ou nous nous adressons trop au pouvoir. Et vous disiez tout à l'heure, nos préoccupations ne vont pas vers la société. Aujourd'hui, il faut discuter avec la société. C'est avec la société qu'il faut parler. C'est avec la société c'est à la société qu'il faut faire des propositions. Et en cela, je rejoins l'initiative du FFS, alors que habituellement, je suis très critique à son égard. Je rejoins le FFS parce qu'il propose ce type de démarche. Il la propose bien sûr à ceux qui activent sur le plan politique et bien entendu sur le plan, je dirais, sociétal, social, toutes les associations, toute la société civile, même si quelquefois une certaine société civile est totalement périphérique par rapport à ce qui se passe dans le pays. Mais c'est ça, à mon avis, ce qui est intéressant aussi dans cette initiative du FAPES, ce que la CLTD ne renferme pas parce qu'elle rassemble des partis qui ont eu un parcours, pour certains d'entre elles, aux côtés, sinon dans le pouvoir, et qui se révoltent et se rebellent contre lui. Pour avoir d'autres, j'allais dire, avantages, mais je ne veux pas les accuser de ça. Bienvenue dans l'opposition, mais à la condition, à mon avis, que cette opposition repose sur des critères tout à fait clairs, sur une démarche tout à fait claire également. Et c'est, à mes yeux et aux yeux de mes camarades, cette démarche me paraît intéressante. Merci, Brahim Younsi, en espérant vous revoir bientôt. Cette émission est maintenant terminée. Salam alaikum Azul. À une autre fois, Inch'Allah.